we're not a friend now. It's one of the biggest short teeth. And I'm the team Lawrence. Ladies and gentlemen, let's welcome to the national teams of Niger and Ghana. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir les équipes nationales du Niger et du Ghana. Ladies and gentlemen, let's listen to the national anthem of Ghana. Mesdames et messieurs, nous allons écouter l'hymne national du Ghana.
dans la tête de Nathaniel. Et le retour qu'il faut apprécier de ce garçon. Bocano qui est venu gêner l'attaquant ghanéen. Déjà 5 minutes de jeu, on n'a pas l'impression, en tout cas, que ces deux équipes veulent la victoire. Et c'est un round d'observation peut-être, mais là, il faut mettre un pied sur l'accélérateur. Quand on a vu quand même la rencontre Togo-Burkina Faso, c'est une rencontre de belle qualité. Et là, donc, peut-être ça va s'animer les prochaines minutes. Oui, vous avez parlé de l'encontre qui a opposé le Nigeria face au Burkina Faso. Effectivement. On a vu, hein, franchement, deux belles équipes. Hein, et le Nigeria qui a franchement joué un très bon jeu, du bon football. Mais le jeu du stade, comme on le dit, était du côté des étalonnés, comme on les appelle. Mais les étalons et cadets ont beaucoup plus de détermination. Justement, c'est ce qui nous a affirmé d'ailleurs le sélectionneur Sanou Doga du Burkina Faso. Voilà, c'est parti pour le Niger. Ballon mal négocié par Mamana, récupéré par le Ghana, par l'entremise de Appia. Appia qui est député du cuir. Là, l'arbitre revient sur cette faute commise sur le dossard numéro 20 à la personne de Abdoulaye, qui laisse le soin à Massoudi. Non, Massoudi également laisse le soin à son capitaine, Jurila, qui essaie de mettre le ballon dans le paquet. Voilà, Ali. Je crois que la solution pour le Niger serait d'exploiter les coups de pied arrêtés au maximum, parce que cette équipe ghanéenne, dans la maîtrise du cuir, dans la circulation de balles, est sûre de sa force et cherche des solutions de tous les côtés. Mais je crois que le Niger, bien sûr, il faut rappeler cette équipe qui n'a pas eu un bon temps de préparation et peut exploiter les coups de pied arrêtés au maximum. Attention, pour éviter de rester touche. Voilà, Samir. Voilà. Qui obtient un coup franc, j'allais dire bien placé, hein, et qui sera certainement exécuté, hein, par Appia. Ça va, ça nous rappelle les grandes figures ghanéennes, Appia. Ah oui, Essien, pas mal de Ayou. Essien, on remonte dans le temps. Mabouakeng également, qui est parti. Voilà, Essien, on remonte dans le temps. Les Anthony Bafo, les Anthony Yeboa, les Abedi Pelé. C'est vraiment une histoire, hein, parce qu'il faut dire que c'était une belle épopée. Les Nigériens supportaient plus le Ghana que les autres. Justement, parce que là, on partage partiellement plusieurs réalités. Hein. On va suivre ce coup franc donc de Appia. Attention, ça peut être dangereux. On ne voit pas l'utilité du mur. Oh, il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché direct. Ah, c'est bien parce que là, on a senti franchement que c'est travaillé. Parce que nous, on avait l'impression que c'était Appia qui allait jouer le ballon. Mais là, il laisse le soin à son coéquipier, qui lui n'a pas eu cette justesse de bien cadrer. Dans l'application, c'était bien, mais dans la finition, c'était autre chose à Sylvie. Ah oui. Ouais, le problème de l'équipe nigérienne, c'est au niveau de relance et de la défense. Normalement, pour que l'équipe ne puisse pas souffrir, Pascal, il faut que les défenseurs gardent leur sang-froid pour faire circuler la balle, pour faire la relation défense-militaire-attaquant. Mais là, les jeunes ont du mal à réaliser. Chaque fois, ils donnent la balle aux Ghanaiens. Pourtant, quand vous voyez l'équipe ghanéenne. On la frappe! Et là! Niger, une très belle inspiration de ce garçon qui était bien dans l'application. Et là, c'est Frankoung qui a essayé. Et c'est bien parti pour ce gars-là. Cette équipe ghanéenne qui a se fait respecter. Hein. Ah dans oui. Cette surprise frappe, parce que j'allais dire sur cette surprise frappe exécutée par ce garçon qui avait voulu prendre le dessus. Mais lui qui était la barre transversale qui a sauvé le Niger, on allait assister à l'ouverture du score. Eh bien, effectivement, c'est une tradition qu'on fait chez les Ghanéens désormais. Et les frappes de loin, on se rappelle quand même de Charles, d'un certain Charles Aponor, qui malgré
Ça fait qu'il taille à une frappe de nul. C'est une tradition que les Ghanais ont envoyé. Et la frappe de Frimpong a surpris le gardien et Abbas. Il ne s'attendait pas quand même à une frappe si lointaine. Et donc la balle a ricoché la transversale pour sortir. Heureusement pour le Niger, c'est la première grosse frayeur de ce match. On joue la 10e minute. Et donc c'est Frimpong qui a voulu allumer la mèche. Et voilà, il a voulu allumer la mèche. Vous avez parlé de scénario. De dispositif, c'est-à-dire mettre qui a été mis en place par le sélectionneur Fidel Afrika. Vous avez parlé des ballons et qu'il la défense a du mal à combiner, c'est-à-dire avec le milieu et l'attaque. Mais là, et quelque part, est-ce que ce n'est pas une stratégie mise en place par le sélectionneur Hassimi? Oui, bon, c'est ça, je disais, peut-être, attention, cette perte de balle, vous voyez, n'arrive pas, ce n'est pas une, au-delà de la stratégie. Je crois que c'est la culture du football nigérien. Il faut que les jeunes arrivent à... La passe en profondeur pour qui pour Ali, la passe de trop. Et là, le portier, Koudou, se pose pas de questions, qui joue rapidement avec Mohamed. Mohamed. Vous voyez, la défense ghanéenne ne jette pas la balle. Vous voyez, ils vont chercher des solutions. Voilà, et maintenant, on cherche la profondeur. Et c'est comme ça doit se passer. Les Nigériens doivent calmer le jeu. Il ne faut pas rapidement donner le ballon à l'adversaire. Et là, vous avez vu quand même, on essaie de combiner dans la moitié du temps. Et voilà, mais quand il y a des attentes de l'ouverture ou bien l'appel des attaquants pour lancer la balle. Mais chaque fois quand nous essayons de voir la défense nigérienne traverse le milieu de terrain et ça redonne la balle. C'est ce qu'on appelle un jeu direct. Hein. Je pense que ce n'est pas la meilleure option. C'est la meilleure option, en tout cas après ce match. Frédéric Acosta verra sa copie. Mais il faut dire aussi qu'on ne peut pas jouer d'égal à égal avec les Ghanais. Mais pourtant, c'est un match de football. Hein. Voilà qui est raté de ce défenseur. Et voilà, c'est le poussin numéro 11 Soumana. Le centre parfait, non, la défense arrive à se dégager quand même. Massoudi qui fait sortir le ballon. Ah oui, il n'a pas pris de risque. Là, ça ira tout le monde du club du Ghana. Là, on repart par la base arrière. Là, on s'informe les gars. Ça, il prend les... Regarde ce qui est intéressant dans cette équipe du Ghana, il prend l'information avant de jouer avec leur coéquipier. La longue balle maintenant. Et la tête de Boncano. Qui trouve Mamadou qui essaie de combiner avec Soumana. Oh, ça passe pas. Incompréhension entre ces deux garçons. Il faut rappeler que Soumana joue à Ogana dans un centre de formation dénommé Wafa. Un centre de formation dans lequel a évolué notre milieu de terrain. Et Mohamed Bonkoy. Qui lui au contre à jouer au Kayana. Voilà, ouais, l'appellation c'était Wafa, mais maintenant c'est Finor. Ça se dégage, hein, il faut le dire, et les Ghanais qui reviennent. Voilà, il faut profiter des contres. Là par exemple. Voilà, là c'est bien joué, celui-là. Voilà. Certainement ils vous ont entendu. Hein. Maman, il s'est passé par le mieux. Bien là, c'est bien, super. Par l'entremise. On peut aller vite, voilà. C'est pas terminé. Abdoulaye qui revient sur ses appuis. Voilà. C'est bien joué par les garçons qui obtiennent une fois sur cette action. Bien mené. Abdoulaye qui est revenu sur ses appuis. On voit la passe ici. Voilà le contrôle. C'est ça que je disais, si les jeunes Nigériens arrivent à garder la balle, à se créer des. Oser à prendre des initiatives et éviter de dégager, ça peut être des situations intéressantes. Mais bon. Et voilà un coup franc bien placé à Simi, parce que là on aperçoit Boncano qui laisse son poste de prédilection. Certainement, c'est le meilleur joueur ici. Hein. Bon, c'est balayé par Boncano et du coup ça serait les 6 mètres qu'on le dit. Hein.
Voilà le Ghana qui va essayer de repartir. Apia, la longue balle. Et c'est par Mohamed. Il obtient. Une entrée de touche. Il faut souligner que cette équipe ghanéenne n'est pas la foudre de guerre que les gens attendaient. Et justement. Peut-être c'est en tout cas un système de jeu peut-être trompeur. Et voilà la préparation voilà. Asmi contre le Nigérien. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lent. Oh la passe. Qu'est-ce que Mohamed a? C'est très lent. Mais Mohamed, il y a quelque chose qui lui manque ce garçon. On sent qu'il a cette hargne, qu'il a cette capacité de faire mieux. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Vous êtes d'accord avec moi Asmi? Vous êtes d'accord? Parce que là, il avait la possibilité, il avait contrôlé très bien le ballon, la conduite, la tête basse, parce que ça, il faut, on les apprend dans les écoles de foot, là, je pense. Oui, même à cet âge-là, il y a beaucoup de manquements au niveau des jeunes, il y a beaucoup de maladresses. C'est avec au fur de la des compétitions que les jeunes arrivent à corriger les maladresses. Sauf que Mohamed a été lent dans la transmission, du coup, les Ghanais sont revenus. Il n'y a pas de jeu, les gars, jouez. Voilà, sortie de balle. Pour le Niger. Je dis, cette équipe du Ghana, peut-être c'est un faux rythme, mais jusqu'à présent, ce que nous voyons, en tout cas, ne nous permet pas de dire que l'équipe du Ghana est une foudre de guerre. Ouais, jusqu'à présent, justement, je suis d'accord le Niger joue à jeu égal avec cette équipe du Ghana. Voilà la tête de la défense ghanéenne. Voilà. Soumana qui essaie de remettre le ballon et le Ghana qui va se dégager très loin par Ozer. Ozer Alassane. Soumana. Ouais. Mohamed qui laisse le soin. La belle passe ici. Oui. Antoine Simon, le premier assistant. Oh quel appel, c'était bien. Et, oui, en et là je suis d'accord avec le premier assistant Assimi qui a très bien vu, qui a très bien lu. Ali a l'appel de une position d'enjeu. Ali, qui était en position d'enjeu. La réalisation, voilà. Qui... Voilà. Ali est en hors-jeu. Il était parti avant le ballon. Oui, effectivement. Oh oui, là, il est mieux le gardien. Et sinon, c'est de bon augure. Voilà, le gars qui va essayer de repartir par l'entremise de son capitaine qui s'est écarté sur le flanc droit. Mohamed. La belle qui s'est trouvée, ah le bon tac là, prompte du capitaine nigérien, Jibrila, qui juste là assure les siens à celui. Oui, Jibrila Mossi. La tour de contrôle du Mena Kadé. L'attention frappe lointaine hein, des Ghanais, hein, parce que s'il n'arrive pas à composer, il tente de loin. Voilà, ça va partir avec Soumana. Bien joué Soumana. Voilà, merci la réalisation. Merci à vous les techniciens. Sylvie qui va essayer de repartir. Voilà, lui il peut aller vite. Voilà, bien joué. Il y a des situations, le jeu direct. Oh la paire de balles là. C'était mal fait ici. La Nigeria qui bénéficie quand même. Une entrée de touche qui sera effectuée par Maman qui juge pour le match hein, cet après-midi oui, hein, dans cette compétition. Allez. Mais juste là quand même qui s'exprime bien. Voilà Boulay qui essaie de mettre le ballon dans le paquet. Sidibé, le contrôle parfait, la frappe, il a c'est contré. Allez les gars qui obtient encore l'air. De la gauche vers la droite sur nos écrans. Ok, Jibril voilà qui va monter. Ah, il est bon de la tête quand même ce garçon. Espérons que sur ce coup de pied arrêté, il fera profiter toute une nation. Jibril Mossi qui était également à la Cannes 2017 en 2017. Il était également au Mondial. Un jeune très prometteur de l'AS Douane du Niger. Pur produit de la formation du coach Brema. Ah, c'est Valois Asmi, vous connaissez très bien ces pupitres, ces garçons. Vous avez l'amour de les côtoyer à tout moment. Et la belle passe ici. Très bien joué par... Attention. Ah, vous pouvez le portier, non?
pas terminé. Il faut empêcher les centres. Voilà les Ghanéens qui essayent de se faufiler dans les trous. Et Mokolo qui se dégage, très loin. Et la défense n'arrive pas à respirer. La mauvaise appréciation. Et Mohamed Kliss qui essaie de se battre. Voilà, il a recul le ballon. Il n'y a rien ici de l'arbitre. Certainement. Il a tenté le lob. Le lob, je te parle moins parce que là, il avait au moins son trois solutions. Ah oui. Il y avait le démarquage de Sidibé, oui, qui avait demandé le ballon. Et là, derrière, il y a également Maman qui est venu donner un coup de main. Mais il a préféré tenter son geste. Et on voit Ozer, le capitaine ghanéen, déjà un leader, ce jeune homme. Ah, il y a un joueur ghanéen qui se tord de douleur. Là, il reçoit les soins de son staff médical. La Frédéric et le sélectionneur ghanéen qui profite pour recadrer les choses. Une minute dans cette rencontre à Smia. Et c'est toujours zéro but de part et d'autre. Le Niger qui veut vite finir avec cette équipe ghanéenne. Et le Ghana, on a toujours connu, c'est un pays de football. Un pays qui regorge pas mal de pupitres. Oh, le beau geste ici du défenseur Samed. Il joue rapidement avec Boateng. Boateng qui est face à Maman. Il reçoit son match, je le disais. Maman qui joue rapidement avec Mohamed. Mohamed Sylvain qui est déposé du cul facilement. Attention, les frappes. La frappe, il l'a fait. Éviter. Abbas est là. C'est pas terrible la frappe, mais quand même, Abbas est sur la trajectoire. Justement, c'était bien quand même. La récupération était ghanéenne. On écarte sur Prépo qui allume cette mèche. Qui n'a pas été le portier nigérien. Ah, Maman qui joue avec Sidibé. Sidibé, hein, qui essaie d'être leader hein, cet après-midi, hein, Sidibé. Ouais, le Nigérien essaie de construire. C'est pas facile, mais bon, il faut essayer. Voilà. La faire de facile, hein. Certainement, ça fait un super. C'est de trop, qu'est-ce qu'il a fait ce garçon. Il a trop poussé la balle. Attention contre Ghana. Hein. Matenga, il s'est combiné avec. Adiepong toujours, qui se propose, Boateng, ah, la belle couverture ici, et ça qui essaie de prolonger le ballon. Intelligent de la part de Zizmo aussi, il est toujours en couverture de ses arrières défenseurs, et Mossi qui est également qui a la tour de contrôle du Mena, U17, le Mena Kadi. Mais carrément c'est rien, il faut reconnaître, hein, chers amis téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre en cours. Retenez tout simplement que c'est la deuxième journée de cette compétition pour le Niger. Et le Ghana qui fait sa première sortie dans cette compétition face à l'équipe cadette du Niger. Zéro but de part et d'autre. Et nous jouons la 23e minute de jeu. C'est parti pour ce corner. Adiepong. Il laisse sortir le ballon. Et on sent, Pascal, on sent l'inexpérience de ces jeunes Nigériens. Ils ont eu beaucoup d'occasions de contre. Ils pouvaient faire mal, mais l'expérience manque. Mais ils sont quand même agressifs. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Voilà. Mais il ne faut pas aussi oublier. Il faut canaliser l'énergie. C'est vrai, c'est des jeunes. Ils en ont à revendre de l'énergie. Mais quand même, c'est 90 minutes, c'est long. Et c'est aux encadreurs de recadrer, en tout cas, ce niveau. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit complètement cuit avant la 70e minute. Ça s'est vu au cours du match contre le Togo. Il y a eu beaucoup d'énervement. Ça a conduit à l'expulsion d'un joueur nigérien. Voilà, Sidibé. Ali, non, pourquoi pas la frappe. Mauvais choix. Ces garçons, ils ont cette faculté de récupérer le ballon dans la surface de réparation. Mais dans le dernier choix, ils pêchent. Mais c'est à ça.
C'est ça le problème en fait de cette équipe cadette du Niger. C'était le même scénario face au Togo. Et ce après-midi, ça s'est décidé. Là, ça revient au technicien Frédéric Acosta de recadrer très rapidement ces garçons. Parce que là, ça ne pardonne pas. Ça ne va pas pardonner si les Ghanéens arrivent à voir ces genres d'occasions dans la super réparation nigérienne. J'espère que celui-ci est d'accord avec moi. Et les téléspectateurs également seront d'accord avec moi. En tout cas, il faut marquer les occasions. Mais l'un dans l'autre, jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une seule véritable occasion de but. C'était la frappe de Frimpong à la 10e minute. Justement, parce que là... La frappe qui a ricoché, qui a frotté avec la barre transversale avant de sortir. Et je pense qu'on joue à jeu égal avec les Ghanéens. D'ailleurs, les Nigériens sont plus déterminés. Parce que là, les nombreuses occasions sont du côté du Niger. Parce qu'on a cette le Niger, j'allais dire, a cette facilité de se retrouver facilement dans le camp adverse. Mais c'est des opportunités, mais pas des véritables occasions. Justement. Et c'est le manque d'espérance. Ça, je fais allusion parce que quand tu arrives à avoir des opportunités dans un match de football, il faut les concrétiser, il faut aller au bout. Voilà, on essaie de combiner. Voilà. Normal. C'est le système Frédéric Acosta, c'est-à-dire on fait des longues balles dans le camp adverse et on accule, c'est-à-dire tout le monde fait la pression pour pousser l'adversaire à commettre des erreurs. Ça a réussi parce que les Ghanéens commettent énormément d'erreurs dans leur moitié de camp. Voilà, et les Nigériens récupèrent. Là, c'est lui qui perd le ballon et il le récupère quand même. C'est bien ce garçon ce qu'il fait, lâche le cul maintenant. Il en a fait de trop, voilà, il le perd. Et là, il commet cette petite faute, hein. Assez intelligent quand même ce garçon qui va échapper, hein, à ce carton jaune, hein. Et du coup, le Niger concède un coup franc dans sa moitié du terrain qui sera joué. On essaie d'écarter sur Samed qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et là, ça serait une rentrée de touche pour le Niger. Voilà, on voit l'action. Et Sidibé qui en fait de trop et qui perd le ballon. Ousmane. À Soumana. Sidibé qui joue dans la région pro de l'hôtel sportif de Sousse de Tunisie. Il a été à la CAN U17 avant d'aller faire son test sport études en Tunisie. Le test qu'il a magnifiquement réussi et il a signé dans la réserve pro. Et donc c'est un jeune espoir du football nigérien en formation en Tunisie qui devient faire prêter main forte à ses confrères. Voilà, quelle belle lecture de Bocano. Voilà, qui essaie de jouer avec Soumana. Le pied gauche magique du côté du Niger. Mauvaise appréciation. Voilà, Mohamed qui récupère le ballon. Oh, l'arbitre libérien estime que il y a une faute concédée par le jeune attaquant nigérien, Mohamed, qui lors de la première sortie du Niger avait eu pas mal d'occasions. Dans le centre. Attention là, par exemple, il faut encore. Et Abbas, heureusement. Oh, Abbas, un peu attentiste. Attention, ça fait deux. Heureusement pour le Niger. On revoit la 28e minute. Deuxième action dangereuse. Toujours au profit des Ghanéens. La barre transversale là. Abbas a été attentiste. Oh là là, c'était vraiment une erreur de gamin. Et je pense qu'il aura l'occasion de se ressaisir. Ça fait deux déjà. Il doit se ressaisir ce garçon Abbas. T'as mal jugé. Eh oui, c'est le mot. On a mal jugé la trajectoire de la part. Massoudi qui se dégage. La Samed pour la remise en touche. Frépon. Apia. Qui s'est combiné avec Cheibou. Ça permet du côté du Ghana, on voit Cheibou. Tantôt sur le flanc gauche, tantôt sur le flanc droit. Voilà, la mauvaise passe. Et ça fait profiter le Niger. Voilà, le bon appel ici de Mohamed. Il n'y a personne de l'autre côté. Non, quel est-ce qu'il a fait ce garçon pendant le coup. Il y a le management de l'autre côté. Qui était là, qui attendait le ballon. Celle-là, c'était fini pour le Ghana. Oh, quel beau geste de ce garçon. Il a mis trois personnes
un technicien. Alassane Apoing. Oh là là, c'est vraiment des erreurs de jeunesse. Si la réalisation peut nous, en tout cas, montrer l'action, il y avait un homme en Islande de l'autre côté. Il n'y a qu'un seul joueur nigérien qui avait donné la balle. Et attendez. Je suis assez Ghanais, qui semble être nonchalant, qui semble faire un faux rythme. Bah, tu vois, c'est un faux rythme, il faut le confier parce que là, voilà, c'était mal joué parce que de l'autre côté, il y avait un seul joueur, la France n'était pas à leur jouer. Cela avait donné, ce serait, oh là là, erreur de jeunesse de la part de Mohamed. Qui arrive quand même à se procurer pas mal de ballons. Vous voyez ce genre d'opportunité, c'est ça, malheureusement. Et il faut beaucoup de compétition, il faut beaucoup de matchs amicaux pour corriger ces erreurs. Franchement, les garçons nigériens n'ont pas eu cette chance de jouer des matchs amicaux. On se rappelle de la compétition de l'autre côté du Burkina Faso, à Bobo. Et voilà l'inspiration, elle est Ali. La passe. C'est précipité cette passe de Ali. Et voilà le contrôle. Attention, ça peut être dangereux. Voilà. Heureusement qu'il y a Mossi. Mossi. Qui s'impose. Et la longue balle qui va essayer de trouver qui la défense ghanéenne. On écarte par l'entremise de Apia. Ça revient côté Ghana. Mohamed. Attention, il a du champ. Il peut aller encore. Mohamed. Voilà. Faute. Qui obtient. Et ce que vous voulez, il a cherché cette faute. Et attention, premier carton jaune de la partie. Il avait du chemin et le joueur gamin. Hein. Et je vois le carton dans la main de l'arbitre. Et certainement ce n'est pas pour le remettre dans sa poche. Il attend d'abord que le joueur nigérien se relève. Voilà, on joue la 32e minute de jeu. 0 pour le Niger, 0 pour le Ghana. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que c'est les éliminatoires de la zone IFOA B. B, donc de la CAN Tanzanie 2019. Le Niger dans la poule B, dans la poule A en compagnie du Togo et du Ghana, et dans notre poule, il y a le Burkina Faso, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Mais la mauvaise nouvelle, le Bénin qui a été disqualifié. Ah oui, le Bénin disqualifié. Un regret pour ce pays. Hein. Et le secrétaire général de l'IFOAL, en conférence de presse, avait souligné. Kamala, je suis à Kamala qu'on salue au passage. Les raisons de la sanction du Bénin, c'est 10 joueurs qui ont dépassé la frontière de l'Inde. Donc malheureusement, on peut parler de tricherie alors. Ah oui. Et voilà, et là nous avons cette chance de continuer cette compétition. Le Niger qui est présent, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, certainement qui va en découvrir demain. Et demain à 16h30, ce serait Côte d'Ivoire, Nigeria. Le Nigeria, Côte d'Ivoire. Et là c'est un coup franc. Détiré, voilà, repoussé par Abbas. Et le dégagement nigérien. Oh, tous les joueurs nigériens étaient descendus pour défendre. Pour défendre, ce n'est pas une bonne chose. Au moins, un attaquant devrait rester en retrait. Il pouvait prendre la balle et attendre ses coéquipiers. Le dégagement de la défense. Voilà. Et ça, c'est ça... cool. Le maître à jeu de cette équipe ghanéenne. La longue balle sur qui sur Boateng. Attention, hors jeu. C'est sifflé hors jeu, qui est en position d'hors jeu. Et du coup, ça serait très rapidement joué par Jibril Amossi qui demande. C'est compliqué de venir là, la longue balle. Il va certainement trouver. Mohamed non, Mohamed est parti dans les airs. Sylvain la passe. Ah, bien, bien joué, mais qui n'arrive pas. Ouais. Bien sûr. What? Oui. C'est intelligent ce qu'il a fait ce garçon. Effectivement, ah, c'est mis dans la course justement de l'attaquant ghanéen. Pour lui couper l'élan, comme on dit. Et voilà, c'est le capitaine. Quoi intelligente. Alassane Ouzer.
Il s'est combiné avec Nathan Lagui. Rapidement joué avec perdu la balle. Oh, le mauvais contrôle. Jeune latéral, Ghanéen Mohamed. Abdoulaye. Super ce garçon qui est dépossédé du cuir. Voilà, c'est de recadrer les choses depuis la base arrière du côté du Ghana. Frépont. Oh, quelle belle lecture de ce garçon Maman. Ouzer qui essaie de mettre le ballon dans le paquet. Ah, le garçon qui franchement me réjouit. Mohamed. Il passe. La belle passe ici de Mohamed. Voilà, il faut profiter. Et là c'est. Oh. Mal, mal joué. Très mal joué. Ah, mal joué à Simia du côté. Et pourtant, Mohamed a quand même fait l'essentiel. Voilà, la belle passe ici, il attend. Il n'avait pas de pression parce que là, c'est comme s'il s'est débarrassé du ballon. Il n'avait pas eu d'appel, il pouvait l'éliminer parce que c'est un monsieur qui, c'est un garçon, j'allais dire, qui est très bien vivre, on l'a vu lors de sa, de son entrée, lors de la première rencontre du Niger. Mais là, il s'est vite débarrassé du ballon. Mais putain, c'est un garçon. Ils vont apprendre avec le temps, comme vous l'avez dit, Yassine. On va aller le balai donc à signer à Diapon. Et ça va repartir. Je pense que en tout cas quand on regarde les jeunes Nigériens jouer, on a l'impression que de se mordre les doigts, tant les opportunités se sont présentées et elles ont été mal exploitées. Malheureusement c'est ça, quand on n'a pas en tout cas beaucoup de compétition. Et d'ailleurs, ces jeunes font de leur mieux, il faut le dire, parce que c'est comment cette équipe s'est préparée. C'est même un exploit de disposer d'une équipe nationale de cette catégorie en si peu de temps. Je suis très ancien. Hein. On voit le travail abattu par l'instance dirigeante du football nigérian quelques semaines, rebâtir l'équipe, c'est vrai, c'est à féliciter. Et là, l'objectif, c'est de se qualifier. Et surtout, c'est le Niger qui est le pays hôte. Une victoire, comme on l'a dit, elle est impérative cet après-midi. Oui. Et du moment qu'on prend aussi les deux premiers de chaque poule pour les demi-finales, deux fois d'une victoire, un match nul. Et acceptable pour le Niger. Vous attendez le public qui n'est pas content, hein? Le public qui demande aux garçons d'aller. Ce qui fait l'affaire du Ghana jusque-là. Et l'un dans l'autre, avec ce que nous avons vu du Burkina et du Nigeria, je pense que ces deux équipes sont au-dessus du lot comparé aux équipes de la poule A. Et justement, je suis d'accord avec vous parce que les deux équipes. En attendant de voir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est. Il est habitué aussi de cette compétition. Mais on tire quand même le Ghana, bon, j'allais dire le Nigeria et le Burkina Faso. Ils ont égayé dans le football. Plaisant. D'école, plaisant. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. C'est vrai, on regarde le foot à la télé, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, au stade de la scène, un match d'une telle intensité, un match d'une telle qualité, ça fait quand même longtemps. Et c'est dire que. Oh, le bon appel voilà, ici. Et la frappe cette année. Et la parade du portier nigérien passe qui sont blessés. Heureusement pour le Niger. Troisième franche occasion de cette équipe ghanéenne à Simi. Eh bien, on va ralentir quand même Abbas se ressaisit. Parce que l'intention du joueur était bon. Frappe en première intention. Voilà. Il allume. Et Abbas s'est jeté pour stopper la balle. Un ballon prolongé par Mossi qui subit une faute d'un joueur ghanéen.
Et voilà, on le disait, hein, si ces Ghanéens arrivaient à se créer ces genres d'occasions, ils ne vont pas badiller là-dessus. Et on a vu l'appel parfait dans l'intervalle, le ballon bien donné par son coéquipier et l'intelligent du jeu. La première idée qui lui vient à la tête, c'est de frapper, il l'a fait. Et n'eût été la promptitude et la présence de ce garçon qu'on aperçoit en gros écran, Abassa, qui sauve le Niger sur cette troisième franche occasion du côté du Ghana. Voilà, et également apprécié le capitaine Jibrila Moussi. Et ce relève, c'est un monstre, hein, ce jeune homme, c'est un guerrier. C'est très important dans le dispositif de Frédéric Acosta. Ah, c'est pas bruyant. Il n'y a pas dit que c'est la pierre angulaire. On va faire de belles faciles, hein, il y a plutôt une faute. Voilà, le voilà. Jibrila Moussi. Il est 1m90 presque. Il ne peut dépasser. En tout cas, c'est un jeune qui est lancé. Je me suis arrêté à côté de lui. Moi, j'ai fait 1m86, mais ce petit me dépasse. Donc, c'est pour dire. C'est ce qui est lancé. 1m86, je suis vrai quand même une personne. Ok, d'accord, Léa. C'est le garçon qui nous égaye cet après-midi. On s'est dit Racine Poutier. Bonsoir à vous de la côté de Difa, Maradi, Zender, Tawa, Agadez, Dosso et les villas environnantes de la région de Niamey. Merci à vous de choisir Télé-Sahel pour vivre ce moment footballistique. Voilà, et les seniors qui sont déplacés, hein, aujourd'hui même. En direction du Caire. Direction du Caire. Je suis avec les parents. Mal content pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2019. Il y a une faute. Heureusement, il y a une faute. Il y a une main. Il y a une main. Justement, je suis d'accord avec. C'est une main de Maman. Eh oui, c'est comme ça. Eh oui. Malheureusement, c'est des erreurs de jeunesse. Maman devrait accompagner le ballon de la tête. Un corner, mais il s'est jeté alors que dans la surface de réparation on ne se jette pas. Oh, quelle erreur de jeunesse de la part de Maman. J'avais vu, il pouvait prolonger un corner de la tête. Il a préféré. En fait, il a raté, je pense. Hein? Mais c'est pas le bon geste, c'est-à-dire pour plus de sérénité, il devrait le ballon en corner, va avec la tête. Voilà, techniquement parlant, mais là il concède un penalty à la 42e minute, on va voir l'espoir de la basse. Et il rate. Et il rate, voilà. Il rate. C'est le numéro 8. Il rate ce penalty concédé par Hamissou Moussa, Maman Moustapha. Les deux du stade sont avec ce garçon. Et toujours 0 but partout. Apia qui s'en veut. Voilà la tête basse. Ça me rappelle Asamoah. En 2010. En 2010. Et voilà le Niger. Faut dégager. Attention. Ah, c'est précipité. Et là c'est très bon encore. Réponse. Voilà, moins de 2 minutes à jouer. 3-15. Voilà. Numéro 19. Dans cette première partie, touche. Il y a le mal là, monsieur Lagui. Je sais qu'il laisse passer. Il y a un pouvoir sur Abdoulaye, parfait. On essaie de jouer plus rapidement. Il va revenir sur la faute. Voilà. Et Kato. Voilà. 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 Il va le demander. Pour le numéro 7. Adiapong. Adiapong qui prend donc un corner, un 14e. La 43e, 44e minute de jeu. La récupération de Abdoulaye Tegane a été extraordinaire. Moussi qui donne carrément la balle au gardien. Il faut chercher les côtés, pas dans l'axe, pas pour le point de penalty. C'est un cadeau pour le gardien, c'est garde-balle. Voilà,
Longbala. Koubi. Pascal, si on résume hein, la première période, les Ghanéens ont eu les meilleures occasions. Et côté nigérien, aucune occasion de but. Les jeunes se sont en tout cas perdus dans les actions de but, ont beaucoup de maladresse. Ils pouvaient mieux exploiter les opportunités en les convertissant en actions de but. Voilà, le compte est en sécurité numérique. Soumana, qu'est-ce qu'il fait? Attention, voilà. Eh oui, c'est ça que je disais. Ils ont eu énormément d'occasions comme ça, des opportunités, et chaque fois, et des mauvais choix par-ci, des pertes de ballon par-là, et malheureusement, et aucune occasion de but côté nigérien, aucune frappe. Voilà donc, malheureusement, et c'est tous les meilleures occasions étaient ghanéennes, et le Ghana même a eu un penalty. Voilà, il faut recadrer le tir à Pascal Gauthier en seconde période parce que c'est le Ghana qui s'est créé les meilleures occasions. Et donc, si on ne fait pas attention, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Là, on ne comprend pas. Il a été appelé par son premier assistant. Il a eu deux mandats. Au sélectionneur d'hier, rien. Rubika Costa. Écoutez, il applaudit. Par le supporter nigérien. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais on le saura dans quelques instants. Voilà, le starter. Technique. Certainement. Deux minutes d'arrêt de jeu à Simi. Hein. Nous sommes ici, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. On va se renseigner. La cause de l'expulsion de Frédéric Acosta. En tout cas, elle va certainement continuer à donner les consignes. pas de gestes. Attention! Oh, Jibril Moussi, pourquoi vous l'avez laissé prendre la balle? En tout cas, ce joueur ghanéen est très intelligent. Il s'est faufilé entre les défenseurs, les a empêchés de sauter et il a pu récupérer la balle. Heureusement pour l'équipe nigérienne, la balle. Sa tête, son coup de tête n'était pas cadré. Voilà. Voilà, c'était pas cadré, certainement. Ça serait le. La dernière balle. Voilà, Boulay qui récupère Massoudi. La longue balle là. On essaie de trouver Mamadou. Mamadou qui manque son contrôle. Le gars qui essaie de repartir avec vous. Oh, quel bel appel ici. Maman, certainement qu'il va. Voilà, il a fait le tacle. Et là, c'est une entrée de touche. Le Black Starlet qui accélère dans ce temps additionnel. Attention, attention. Heureusement, la couverture est attirée. Oh, le manque de contrôle. On perd pas. Il la frappe. Pas terminé, bien joué Mossi. Voilà, et se battre les Nigériens. Les garçons qui se battent. Mossi, voilà, bien joué. Par Mamadou. Et voilà. C'est le coup sifflé. Je crois de que cette première partie à semi rapidement. Vous avez résumé le match. On peut revenir sur les actions franches de part et d'autre. Hein. La meilleure occasion, c'est le penalty, car en deuxième minute, manqué par Appia, et malheureusement pour le Ghana, et heureusement pour le Niger. 48e minute, il y a également cette frappe de Frimpong et les deux frappes de Adiapong qui ont ricoché sur la transversale. Donc, en résumé, le Ghana s'est procuré les meilleures occasions du match. Côté nigérien, on est trop brouillon, et les jeunes ont été trop brouillons dans la concrétisation des actions. Aucune action de but. Et je pense que Frédéric Acosta, qui a été expulsé tout de suite, et son adjoint Abdraman Issa Mega vont trouver la stratégie nécessaire pour permettre à cette équipe nigérienne de mieux jouer. Pour l'heure, c'est le Ghana qui a bien joué, c'est le Ghana qui s'est créé les meilleures occasions. Voilà, merci Asmi pour cette analyse, chers amis téléspectateurs. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour la seconde partie de cette rencontre entre cette équipe du Niger. Et le Ghana, à tout à l'heure.
hata mwenye kusonche mugoya musubaya suna polo muna tabawa ale ale mena tochika bankasane sikawasa ale ale mena hey joue le ballon mouille le maillot le peuple nigérien vous soutient va que va défendre le drapeau orange blanc et vert tous une couleur mena national fierté nationale nos portes nationales patriotes chantons mena allez dansons mena tous mes sons kassa Dut en casa mi pichin casa ya kama te che mena akale muje oui 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 mena oui 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 mena oui oui joue le ballon mena yaro mena muye no mayo mena oui oui joue le ballon mena oui oui wakile singi mena sanke kile singi Kile singi, mena zanke kile singi Uwe de balon, mena wiwi Yara mena, muye de mayo Mena wiwi Uwe de balon, mena wiwi Yara mena, muye de mayo Mena wiwi Wukile singi, mena zanke kile singi Wukile singi, mena zanke kile singi Mais non, mais non, mais non.
Oh, pray, man.
Et voilà, retour au stade général Sidi Kountié pour la deuxième partie de cette rencontre entrant dans le cadre, on le disait, en début de narration, dans le cadre du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, Tanzanie 2019. Voilà, entre le Niger et le Ghana, zéro but de part et d'autre lors de la première partie. Et voilà, cette seconde partie certainement qui va s'annoncer de plus belle, parce que là, tout va se jouer. Dans ces deuxièmes 45 minutes de cette rencontre, voilà, c'est parti pour le Ghana, par l'entremise. Et le ballon ricoché sur les pieds du capitaine de cette équipe du Niger, Jibril Amossi. Le ballon qui obtient une entrée de touche. Assimilé le Ghana qui avait dominé. Il faut le dire, hein, quasiment à cette première partie. Et oui. Hop. Je pense que cette équipe ghanéenne a pris la mesure, surtout lors de les 15 dernières minutes, de l'équipe du Niger qui semble être un peu émoussée. Mais là, on va repartir certainement sur des nouvelles bases côté Niger. Pas de changement en tout cas. C'est le numéro 9 ghanéen. Il n'était pas là en début de match. Attention, il est passé. Ah oui, il était là, d'accord. Alors, voilà Pascal, les joueurs ghanéens, il faut les surveiller de près. Voilà, c'est les garçons qu'il faut suivre de près. Hein. On a vu l'expulsion du sélectionneur nigérien, Frédéric Acosta. Voilà, d'après les informations qui sont parvenues, Frédéric Acosta s'est mal comporté, certainement, et du coup, ça lui a valu cette suspension. Et là, c'est son adjoint, Adramani Sarr, qui va essayer de prendre les commandes, et déjà, on le voit, hein, et qui essaie de canaliser ses garçons. Abdoulaye qui essaie d'écarter sur le front gauche, voilà, le ballon ricoché. Espérant que Abdramane sera aussi calme. Hein. Justement, franchement, en le connaissant, on sait qu'il a le sang chaud également. Et voilà, il crie sur ce garçon. Adramane qui a également le sang chaud. Voilà, Mahamadou qui sait. Mohamed qui a voulu jouer avec. Il faut profiter. Boncano. Il essaie de mettre le ballon dans le paquet, mais là, c'est mal négocié, mais quand même, le Niger obtient une entrée de touche qui sera effectuée par Abdoulaye. Oui, Assimi, allez-y, Assimi. Je disais, le football, c'est extraordinaire. Ça permet surtout de former des hommes. Et on va suivre d'abord cette action. Attention, il est à l'enjeu. Oh, la belle sortie du passé dernier, la frappe de Boncano. Il était à l'enjeu. Et il était à l'enjeu. Sifflé par le deuxième assistant de cette rencontre, monsieur Abdelaziz. Et oui, c'est Mahamadou Gado qui était à l'enjeu, effectivement, avant même que la balle n'arrive. Je le disais, c'est Boncano, je l'ai connu, en tout cas, tout frêle à l'âge de moins de 13 ans avec Akia Academy. Il était tout frêle, il n'avait même pas de force pour frapper dans la balle. Et voilà aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, le voilà qui défend les couleurs nationales, en tout cas avec le Mena I-17. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour dire que le petit gamin que j'ai connu est devenu un homme, parce que là, il est sur les couleurs nationales, il se bat pour défendre le drapeau national. C'est vraiment extraordinaire. Et il est devenu plus solide, parce que là, il tacle, il met des coups. Et justement, c'est mieux, franchement. C'est ça qui fait la force du football. C'est la beauté également du football, c'est-à-dire on apprend dans le quartier. Et le sport en général. Et voilà, dans les centres de formation et dans les différents clubs. Aujourd'hui, ces garçons se retrouvent sur les couleurs de leur pays respectif. C'est un honneur de défendre les couleurs nationales. Et voilà, ils se dépensent, ils se proposent
Et là, c'est un coup franc qui sera exécuté par Appia, celui-là même qui a raté le pénalty, hein, oui, à la 42e minute pour le Ghana. C'est lui qui va s'expliquer sur cette action. Voilà, il demande à ses coéquipiers. Attention à Abbas, est-ce que c'est la bonne position? On va voir. On s'est bien tiré quand même, hein. Alors, et la sortie très bien, Abbas. De Abbas, ça. Non, mais qui essaie de contrôler, mais qui perd le contrôle. Un très beau jeu. Voilà, du nouveau 13 nigérien, Mahmadou. Voilà, Boukhara qui joue rapidement avec Mohamed. Il a pas d'enjeu. Il va aller chercher la surface. Qu'est-ce qu'il va faire le gardien? Il est libre au vis-à-vis. La passe. La parade. Quel arrêt du gardien ghanéen. Excellent ce garçon. Ah oui. Belle action. Première occasion franche côté nigérien. 50e minute de jeu. Par l'entremise de. Et Mohamed qui a le. Mais il faut saluer au passage la belle montée d'abord de Boncano qui avait joué avec première intention. Qui avait joué avec Mohamed qui a servi son coéquipier et il a dû frapper. Il a été le côté stoppage. Moi aussi qui s'est libéré le pied gauche. Ah, le pied fou, comme on le dit. Il n'a pas eu cette possibilité d'ajuster son centre. Et là, on aperçoit, j'allais dire, le joueur ghanéen qui se tord de douleur. Voilà. Il a été percuté par Moussi. Le colosse Moussi. Voilà, on revoit la pénétration ici de l'attaquant nigérien, Mohamed. Très bien, voilà, qui élimine son vis-à-vis. Hein. Là, il avait deux choix. Il avait deux choix parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient là. Non, c'était, je crois, la meilleure. Je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec vous également, que c'était la meilleure option. Mais sinon, ouais, le football, c'est des possibilités. Il a choisi cette possibilité de frapper. Et du coup, la promptitude du gardien était au rendez-vous. Il a fait sortir ce ballon. Et voilà, la première franche occasion, bien exécutée par cette équipe à l'état du Niger, qui était à la 50e minute de jeu. Ah oui, Pascal Gauthier. Et vous avez si bien dit, ce gardien ghanéen, en tout cas, a fait la exposition de ses réflexes. Parce que avec cette parade, il a sauvé les siens. Voilà, je veux qu'il dégage de la tête. Il fallait chercher ce ballon bien placé de Boncano. Ton garçon Boncano qui élimine. Vis-à-vis, la passe de trop, c'était mal donné, c'était pas ça la solution parce qu'il avait déjà son coéquipier Sidibé qui était à côté. Oui. Il aurait dû combiner avec lui et lui remonter tout doucement le terrain, mais il a préféré jouer le ballon long. Et là, qui sera à 6 mètres. Et le gamin qui va essayer de repartir par Nathaniel. Le jeu proposé par les Ghanais dans les bases aériennes et arrière, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ce qu'on dit, hein, on l'a toujours dit. Ça permet à la défense, au milieu du terrain, de proposer des solutions, ça te permet à l'attaque de proposer aussi également des solutions. Mais quand on fait, bon, c'est vrai, c'est une tactique purement nigérienne. La plupart des entraîneurs du Niger utilisent cette tactique. Soumaïla Kemogo nous l'avait expliqué. Et on ne peut pas souvent faire jeu égal avec certaines équipes qui sont mieux. On le contrôle ici. Voilà, attention. On est bien. Il est venu derrière. Non, hors jeu. Hors jeu. Quel arrêt de. Mais. De Kourou. Hors jeu de qui? C'est ça qu'il faut se demander. Alain Basse, on espérait de revoir l'action. Et c'est certainement la réalisation. En tout cas, on n'a pas vu d'hors jeu. Hors jeu de qui? Voilà. Et Boncano, il a exprimé le ballon ici. En tout cas, on va voir qui a été signalé hors jeu. L'un dans l'autre. Et Mohamed a encore une fois raté une occasion de but. La deuxième franche occasion du Niger. Oh, le bougie externe à Fafine. La pointe, le Niger qui va essayer de le tout pour le tout. Voilà, le bon appel là, derrière et le joli centre. Ah bah c'est. Qui n'inquiète pas, bah ça. Voilà, qui joue rapidement avec Boncano. Le dessin numéro 10, côté du Niger, le petit crochet et la faute, précédée par
Khalil. Les Nigériens contestent de plus en plus les décisions de l'arbitre. Effectivement, je me suis posé des questions parce que tout à l'heure, on se fera plaisir hein, quand même aussi la réalisation de faire revoir cette action de but. Sifflé. Là, là, non, balle ici. Non, là, ça c'est la faute concédée par Salim le Ghanais. Je sers du lourd, dit ça. Aussi qui va exécuter ce coup franc bien tiré. Le bon appel et la belle couverture. Moi aussi, j'ai pris la pierre sûre. Hein. Pas arrière, de façon prompte et propre. Elle fera tout rapidement jouer. Aussi, il faut le rappeler, c'est également l'un des éléments défensifs du dispositif de Soumaïla Etchebogo. C'est pour là. Tenu en échec le Ghana à la CAN 0-0 et le Niger a été éliminé au tir au but en demi-finale. Un match où le Niger pouvait gagner aussi avec cette frappe de Sofiane Habibou en toute fin de match. Une frappe sur la barre transversale. Voilà, il faut profiter. Mohamed. Il y a cette possibilité de toucher pas mal de balles. Ahmed, bien joué pour Soudama. Voilà, le 1-2. Non, il était attentif Soumana. Il lutte quand même. Hors jeu. Si. Retour dans le jeu de Soumana. Mohamed. Là, quand même, il n'avait pas tort. Mais là, je suis pas encore avec vous. Là, il faut que je revoie l'action. Il y a un retour dans le jeu. Là, c'est comme si j'ai vu le capitaine Ghanais qui était sur la même ligne en couverture avec Mohamed. Bon, écoute, hein. Ils sont les maîtres de ce jeu, de cette rencontre. Hein. Voilà, Jérémy qui se dégage là. Très loin. En fait, la différence avec l'équipe de Soumaïla Etchebogo, c'est que cette équipe de Soumaïla avait des attaquants très rapides, Mauro Boubacar, ligne à la belle récupération du Codir, on va suivre savoir cette action nigérienne. La belle passe ici, Rodosé. Rodosé, il va s'essouffler ce garçon et voilà. Dans la finition, le Niger pêche dans la finition. Il ne faut pas qu'il se déverse dans l'envie de vite faire. Il faut qu'ils attendent les Ghanais aussi. Parce que les Ghanais, vous voyez, ne sont pas pressés. Ça va être également la même physionomie du match. Les Nigériens se sont trop vite dépensés dans les 30 premières minutes. Ils ont fini la première période pratiquement cuit. Et là, ils se relancent dans les assauts, parfois inutiles même. Donc, ouais. Et les Ghanais sont patients, ils attendent. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif Ghanais, ils s'occupent de façon rationnelle le terrain, vous voyez. Hein. Ils sont partout, ils sont partout. Hein. Et là, voici un peu ce qu'on peut dire sur cette équipe Ghanais. Hein. Il y a cette facilité de se mettre en plus intervalle et puis demander les ballons. Voilà, et c'est ce que je disais à l'instant. Là, l'arbitre revient. Il faut dire que la plupart de ces joueurs ghanéens sont dans des centres de formation. Beaucoup de centres de formation au Ghana. Donc il n'y a plus de catégories de clubs attachés à des quartiers. Ainsi que souvent, on appelle ça les dirigeants des clubs laissent la formation à la base pour les entraîneurs des gens qui se débrouillent. Donc du coup, il n'y a pas une réelle formation. Voilà, cette formation digne, hein, c'est ça, voilà. Hein, digne de ce nom. Voilà. Et comme vous remarquez, l'équipe du Burkina Faso, qui la plupart également sont des centres de formation, vous avez vu l'occupation rationnelle du terrain, vous avez vu la combativité, parce que Frédéric l'a dit, il faut former les joueurs de compétition et non seulement des joueurs de match. Eh oui. Je pense que le sélectionneur nigérien a été clair là-dessus. Ça dit qu'il faut former l'équipe. Compétitif. Voilà, et la bourde, heureusement. Oh là là, il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Hein. Il pourrait avoir vraiment un cadeau. Ali qui n'a pas suivi cette action, cette bourde, j'allais dire. Ah oui.
posé par le portier ghanais. Le Ghana qui va se dégager très rapidement. On revoit le ballon. Appia. Cantano qui se défend. Il n'y a rien ici d'arbitre. Tripon, là on voit chez les Nigériens. Oh, quel beau geste ça, ce garçon qui perd le ballon et qui le récupère. Tripon. Il essaie de jouer avec Boatenga sur son côté. Attention. Et la frappe. Non. Heureusement, heureusement. Monsieur le Ghanéen, comment ça pousse l'accélérateur. On a l'impression hein, qu'on se renvoie dans la même physionomie hein, de la première période. Hein. Voilà, intelligent de la part de ce joueur. Il préfère ne pas prendre de risques. C'était le même comportement que devrait prendre maman lorsqu'il a concédé le penalty. Bon Cano. Mauvais contrôle de la balle. Heureusement, il le récupère. Il cherche la solution. Bon Cano, le centre Bocano. Bien fait. Oh, c'était bien fort dans l'idée. Et ça va repartir côté gardien. Il appuie sur. Il compte sur la rapidité donc, du 19 à. Boateng qui est en train de voilà, qui est en train de causer vraiment des misères à Maman. Et je crois que pour son premier match, Maman envoie de toutes les couleurs. Et justement, il envoie de toutes les couleurs. Mais Boateng là... est plus rapide, Boateng est plus grand et plus justement, plus technique, vu sa physionomie hein, et son gabarit. Hein. Et je me dis que... C'est normal que le petit ait des crèmes. Justement, et il est à sa toute première compétition. Ah oui. Moi, je me dis que franchement, félicitations, chapeau à ce garçon qui retrouve cette compétition aujourd'hui et qui arrive quand même à respecter ce qu'on lui demande. Parce que là, je me dis, hein, il se propose, il est dans l'entrejeu, et sur le plan défensif aussi, il reprend. Mais il se trouve que maintenant, il se tord de douleur. Et on espère que c'est le bon augure qui va revenir. En tout cas, c'est son premier match, c'est très difficile, un match international. L'un dans l'autre, c'est lié au manque de compétition. Il faut dire que ces jeunes se sont préparés sur le plan local. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Ceux qui avaient, il y a certains parmi eux qui avaient effectué le déplacement sur Bobo, qui disputaient les deux matchs internationaux face au Mali et au Burkina Faso. Il faut dire qu'il faut féliciter ces sélectionneurs qui arrivent en un temps record à composer des équipes. Comme le dit le président de la Fenifoot, le colonel major de Lima, on ne passe pas dans la même catégorie, mais quand même, avec les maigres moyens, on arrive à faire quelques résultats. Alors, on arrive à faire quelques résultats. Le ballon mal donné ici. Voilà, le meilleur qui va se dégager. Voilà, il faut. Il ne faut pas qu'il aille se fermer. Soutalement. Oh, c'est... Attention à ce contre. Heureusement qu'il y a bon canon. Intelligent ce garçon, bon canon. Très technique également. Hot. La petite poussette. Ça mérite un carton ça, parce que là on a vu la poussette du dessert numéro 10. Ghanéen. Salut. Cano qui fait cet après-midi un grand match. Eh oui. C'est la formation de Simone Tchamogo de Côte d'Ivoire à Acha Academy. C'est des joueurs très techniques. On se rappelle là aussi dans cette formation. Voilà Soumana, la frappe. Voilà, c'est pas terminé. Mohamed. Dépossédé du cuir. Mohamed, j'ai comme l'impression que ça lui manque quelque chose. Je sais pas, dites-moi, c'est quoi la chose qui lui manque, Assimi? Imagine, c'est ce que je disais, ce sont des jeunes, il manque beaucoup de choses. Tout comme à Mohamed, tout le reste, et même l'équipe ghanéenne, c'est des jeunes, il faut le dire, ils n'ont pas l'expérience. Et souvent, c'est pour cela, c'est plaisant et de voir le football des jeunes. Parfois, il faut ceux qui font les grands. Je sais pas, pour marquer un but, il faut de l'expérience. Je sais pas, hein, c'est une question de effectivement. Parce que là, les occasions pour Mohamed c'est procuré. Moi, je pense que même si on n'est pas expérimenté, il suffit de mettre le ballon dans au fond, défilé. Je sais pas quoi. Pour marquer un but, il faut beaucoup d'expérience. Donc, je souhaitais que vous me dites que pour être en situation de but, il faut avoir de l'expérience. Non, même pour marquer,
Elles peuvent même les... Voilà Mohamed qu'on revoit ici sur cette action, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà la mauvaise passe. Ça aussi, il faut de l'expérience là. C'est, en fait, c'est lié au manque de compétition, mais aussi c'est lié au manque d'expérience. Plus tu as beaucoup de compétition, plus tu gagnes de l'expérience. Et facilement, même les grands attaquants, les Cristiano Ronaldo, les Messi, souvent ils arrivent à rater, souvent les manquables. Donc, pour manquer un but, c'est vrai, il y a du... Il y a la vista de l'attaquant, mais il faut beaucoup, pour les jeunes là, il faut beaucoup d'expérience. Parce que souvent, ils font des mauvais choix. Je vais essayer de vous croire, croire ce que vous dites. Voilà. Ce sont des garçons, ce sont des jeunes, ils ont encore de la bulle devant eux. Voilà. Ils sont au stade d'apprentissage, et là, l'entrée de touche est effectuée par Bocano. Le contrôle, le dribble réussi, Non, ça passe pas. Dégagement gagné. Un canon. Oh là là. Incompréhension. Incompréhension. Entre Mahamadou et Bocano. Gambien, la Libéria, j'allais dire, Hassène Kone qui est sifflé. Mohamed Massoudia, il y a son dieu dans les airs. Mohamed qui se bat. Voilà, Boulay qui est battu dans les airs. Bon canon à la récupération. Un changement qui se dessine. Côté des Black Starlet du Ghana. Le serveur numéro 15. Abdullah Rachid Fousseini. Qui va effectuer son entrée. Quelques instants sur cette pelouse. Il sent frais, comme on le dit. Cette équipe ghanéenne qui jusque-là n'a pas trouvé les chemins du filet. Pareil également du côté du Niger. Voilà, on aperçoit les supporters nigériens qui donnent du temps. Ils essaient de pousser les garçons. Une victoire. Voilà, ça c'était la bourre du gardien et le portier. Il n'y a pas de Renard de surface. Se racheter rapidement. Pour revenir, pour compléter ta question, Pascal, c'est ça qu'on parle, c'est là qu'on parle de Renard de surface qui sont toujours dans les surfaces de réparation et qui arrivent à marqué à profiter de ces genres d'erreurs que vient de commettre le gardien ghanéen David Koudjo. Parce qu'ils suivent les frappes des coéquipiers. Et quand le gardien détourne, ils sont toujours à l'affût pour repousser la balle au fond des filets. Il faut beaucoup d'expérience. Et je suis sûr, si c'était une équipe, un joueur expérimenté, il allait mettre ce ballon dans les filets. Voilà, Akia qui sort. Il sait sa place. Ah, Abdullah Rachid. Voilà, le gars qui bénéficie de cette prise de contrôle. Ici, le Soumana. Il obtient également. Et voilà le petit Bocano. Il est devenu un grand Bocano. Hein? Alors le gars qui va essayer de repartir. L'appel de Chaibou. Trop d'espace, hein. Trop d'espace. Je
Voilà, Abdoulaye. Il ratisse bien. Il joue très bien son rôle de milieu récupérateur. Il descend numéro 20. Belle couverture, ce garçon, Abdoulaye. Toujours 0 but de part et d'autre entre Niger et le Ghana. La 110e minute de jeu. Dans cette seconde partie de cette deuxième journée du tournoi. L'UFOA de la zone B. Monsieur, il n'est pas l'enjeu. Et la frappe qui passe pas très loin. Comme tu veux. Oh, c'est bien dans l'idée parce que là on avait eu le contrôle parfait. Et puis faut bien prendre ce ballon. On voit l'action. Il met le ballon dans le sens du but. Et là dans l'application, il n'a pas réussi. Et voilà le petit Mohamed Chérif qui est ovationné par le Iniesta. Public nigérien, l'Iniesta nigérien, le jeune pupitre du football du Niger qui fera dans quelques instants son entrée. Voilà Bokano pour la remise en touche. Bokano, Mohamed qui n'avait pas compris l'appel. Et il joue le ballon quand même. Voilà. Le Niger qui bénéficie d'une entrée de touche. Ah, le corner. Normalement c'est un corner. Normalement ça doit être un corner mais okay, l'arbitre libérien en décida autrement. Bien joué de la part de votre arbitre. Oh là là, Sultanmar. Sultanmar qui a eu du mal à bien placer son ballon. Ballon qui passe au-dessus de la barre transversale du portier ghanéen David Koudou. Et les Ghanéens vont repartir avec le capitaine. Là, son premier vis-à-vis. Il y a trop de risques sur le capitaine Ghanéen. Cano, la tête pour Sultanmar. L'idée. Bien joué. Voilà, on est d'activer son vis-à-vis. Voilà, encore un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Vous avez bien vu Assimi, il s'est précipité dans sa passe. Et la belle couverture ici de Massoudi, qui fait également un match propre. Voilà Ali qui vient. Voilà, on les encourage les garçons. Il y a un jeune Nigérien, c'est le numéro 13. C'est tant de douleur de notre côté, Mamadou. Et on va assister à la rentrée en jeu de Mamadou Oumar Chérif. Iniesta, très petit, un gaucher qui joue toujours en première intention. Il remplace Faisal Soumana Tiembo, qui n'a pas été dans son assiette aujourd'hui, Tiembo. Le joueur de Wafa, et c'est Iniesta qui joue. Il demande de déposer la balle à terre. Peut-être qu'il sera l'arme fatale de Frédéric Acosta. Voilà. Les Ghanais également s'apprêtent à faire rentrer un joueur. Il s'agit de Joseph Ado Tété, qui est en train de s'échauffer au niveau. S'est relevé Mamadou en espérant qu'il peut continuer parce que il propose des solutions en attaque.
un garçon qui est solide, Mahamadou. On a vu dans le bon match à Guider. Face aux éperviers, Togo. Là, c'était l'action. Entreprise par Mohamed. Et la frappe, là, ici. Détourné. C'est Joseph qui va faire son entrée en jeu. Portier. Ghanéen. Voilà, Joseph. Un autre joueur ghanéen qui est blessé. Les Ghanéens, hein, qui sont sortis sur blessure. Sur blessure. Là, Joseph a effectué son entrée. Voilà. Et la touche à Mohamed Sherif. Qui ne réussit pas. Là, c'est Pateng. Le centre. Et la boulage. La longue balle. C'est pas ça la solution, les garçons. Il a occupé le ballon. Super. C'est bien dans l'idée. Sidibé. Jibril. Parce qu'il n'est pas... Il est à l'enjeu. Il est à l'enjeu, là, déjà. Il est à l'enjeu. Il est à l'enjeu. Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure de ce match. 0 pour le Niger, 0 pour le Ghana. Dans ce temps, changement. C'est Mahamadou Abdoulaye Mazou. Il fait son entrée. À la place d'un autre Mahamadou. Le numéro 13. À la place de Mahamadou. Un Mahamadou. Qui remplace un Mahamadou? Qu'est-ce qu'il a fait là, monsieur l'arbitre? J'ai pas vu le faute là. Je sais pas si vous convivez avec moi, ce monsieur, cette action. En tout cas, c'est assez demandé. Peut-être. En tout cas, c'est contestable. Ah bon. Il va donner un carton, c'est ça? Pourquoi il va donner le carton? Je ne vois pas faute, c'est pas méchant. Non, c'est pas un carton. C'est la bombe pour indiquer l'endroit. Voilà, coup pour les gagnants. Hein. Qui va exécuter à Diapong. Diapong s'élance et Abbas normalement qui est là, voilà. Abbas qui rassure ses coéquipiers. Très bon match de Abbas. Par contre, il perd la balle facilement. Les deux côtés derrière. Voilà, il n'est pas allongé. Voilà. Voilà, le bon appel ici de Sherif derrière. Sherif. Ah, il va essayer de le titiller. Ah non, il ne réussit pas. On le titiller, Sherif. Mais qui obtient quand même un corner. Sherif devrait jouer en première intention. Là, le Niger bénéficie d'un corner. Il laissé au soin. Numéro 19, Mahamadou. C'est tellement dimanche. Voilà. Et le but nigérien. Oh là là, Mahamadou. Tout était parfait. Le contrôle de la partie du nouvel entrant, Mahamadou. Abdoulaye Mazou. Qui avait reçu son contrôle. On voit l'action ici. Le contrôle parfait ici. Mais qui prend le ballon. De façon pas juste parce que là, le ballon s'envole. Et le Niger qui manque encore et encore une autre occasion. Deux buts. Si Mahamadou avait frappé de l'extérieur en force en bas, certainement que le ballon allait rentrer encore. Mais quand même ça pousse côté. Oh, il réussit quand même l'appel, la belle passe ici. Mohamed. Voilà Bocano. Très en vue ce garçon cet après-midi. Sherif. Qui aurait su appuyer la belle passe ici.
Voilà, ça joue du côté du Niger maintenant. Bon, Bocano. C'est un match qui va essayer de rentrer. Non, le crochet réussi. Bien joué, Bocano. Le deuxième crochet. Et le centre. Bien joué. Et la tête là. Et la belle sortie du portier ghanéen. David Kodjou qui assure. Les siens. Et là, il joue rapidement avec Boatenga qui perd le ballon. Qui arrive pas. Le Niger qui va essayer de pousser. Il est ça. La fiole qui a une faute. Et carton qui va concéder. L'attaquant ghanéen. Boatenga. Et c'est même Iniesta qui met l'ambiance. Hein. Et du coup, ça a réagardi. On va revoir son petit geste. Oui. Technique. Il a cherché le petit pont. Et voilà. Je vois, ramassez pas. Mais regardez-le, le geste de Abdraman. Bon canon. Et le public qui commence à pousser. Voilà, c'est parti. Il lâche le ballon. C'est pour le gardien. Le gardien qui rassure. Il joue rapidement. On écarte sur. Et chaque touche de balle de Shérif est applaudie. Je pensais qu'il n'allait pas souffler là. Parce que là, c'était visible la faute. La faute de main. Rapidement, le joueur qui joue à l'entreprise de Mohamed. Et on prend entre Mohamed et de Mohamed. Le Ghana qui va essayer d'amorcer ce contre. J'ai pris là. Je ne l'ai même pas touché. C'est parce qu'il a tiqué, hein, ce monsieur là. Et c'est lui-même qui a. Là, ça, c'est une décision contestable. Monsieur Jibril, de ne pas prendre un carton parce que, quoi qu'on dise, c'est un résultat nul. Là. Arrange le Niger, il ne faut pas concéder de buts. Et tout va se jouer entre le Togo et le Ghana. Pour que l'équipe nigérienne arrive à conserver quand même le score intact à défaut de marquer. Voilà, moins de 9 minutes de jeu dans cette seconde période. Là, c'est un coup franc ghanéen qui est trop dosé. Si le Niger arrive à marquer, tant mieux, parce que ça fera 4 points. Et justement, ils ont la possibilité, ils ont les capacités, ils ont cette valeur. Du coup, la qualification. Elle est garantie, comme on le dit. Et là, avec ce que nous voyons en seconde période, c'est mieux que la première, puisque ce sont les Nigériens qui se sont procurés les meilleures occasions de la seconde période. Justement, certainement, les consignes ont été données par le staff technique de cette équipe. Là, on revient sur la faute. C'est le seul ghanéen qui se plaint. Joseph. Je crois que si on doit choisir le meilleur joueur du match, pour moi c'est Bocano. Bon, on laisse le soin à la commission technique de l'UVOA. Nous, on a notre mot à dire quand même. Je suis d'accord avec vous. Mohamed qui se bat. Le dégagement manqué. C'est le joueur le plus en vue de ce match. C'est un défenseur quand même. Mais quand même, super ce garçon, ce qu'il fait. Oh, la passe, la dernière, comme on le dit. Et si on se contre ghanéen, c'est du 4 contre 3. Et la belle couverture ici du portier nigérien Abbas. Du côté du Ghana. On va assister à la rentrée au jeu de Koufi. Rashford Koufi. Et remplace à Japon. Voilà, il y a qui pousse. Voilà, Kofi. C'est sa première touche qu'il a fait, le ballon. Simplement. Pour Mamadou. Mamadou pour Mohamed. Mohamed. Qu'est-ce qu'il a fait? Au-dessus. La solution, Mohamed. C'est pas la solution. Il joue comme tes coéquipiers. Ils sont là, ils ont demandé. Et il s'en veut, ce garçon. Il s'en veut. C'est comme son entraîneur d'ailleurs. Ah oui, les erreurs de jeunesse, comme on le dit. Mais on fait avec.
le Niger qui a proposé une belle figure quand même que lors de sa première sortie. Il récupère le ballon, le Nigérien. Là, il est seul. Il faut profiter. Voilà, Suntalma peut éliminer des aides. Bah, bien joué Suntalma. Il y a la couverture de Adjé, Oumar, non, Nathaniel Dimois. Et c'est le Niger qui pousse. Hein. Et justement, c'est le Niger qui pousse. Ils ont besoin. Ça reste 5 minutes de jeu. Ils ont besoin de ces 3 points, de cette victoire. Et le centre ici, il n'y a pas d'hors-jeu. Bon, il est seul, mais qu'est-ce qu'il a fait? Hors-jeu de toute façon. Il est sifflé comme un hors-jeu, comme l'a dit Asmi. Et là, ça va repartir pour cette équipe ghanéenne. Apparemment, les Ghanéens n'ont plus de solution. Ah, le Niger, quand même, qui s'est bien comporté dans cette seconde manche. Effectivement. Attention. Oh, la passe. Passé dévissé. Bien joué. On évite. Les tacles dans la surface de réparation, Boncano. Eh oui. Corner. Quand même, ils obtiennent un corner de la droite vers la gauche de notre écran. Moins de 4 minutes à jouer. Dans le temps réglementaire de cette rencontre. C'est le moment de mettre un joueur offensif, s'il y en a. Parce que là, on voit un changement. Voilà. Proposé par le Niger. Attention, attention. Il y a un joueur, moi aussi. Il enraye le danger. Passe mal donné ici. Et qui est sorti. Et Niger qui va rapidement jouer certainement. Et c'est bien sûr le numéro 17, Antaru Bala Maman, qui était titulaire lors du premier match. Voilà l'appel ici parfait de Sidibé. Qui obtient. Abba, comment on l'appelle? Abba. Un corner. Non, une grande touche. Et au Niger, quand on t'appelle Abba ou bien Papa, c'est que tu portes le nom du papa. Voilà, ça, c'est une manière de respecter. Eh oui. Cela, voilà, il est ovationné quand même, Mohamed. Et encouragé par ses coéquipiers. Mohamed qui va céder sa place à Antaru. Mohamed qui a tout donné. Félicitations. C'est ça, mouiller le maillot comme on aimerait le dire. Il a proposé ici. C'est Mossi. Mossi, il est plus expérimenté, il tente des choses, il est sûr de sa force. Et c'est ça, être un vrai leader. Bon, c'est un jeune garçon qui est en forme, qui est en nerve aussi. Il a eu beaucoup plus de compétition que ses coéquipiers. Attention, heureusement pour le Ghana, mais c'est pas terminé. Maman, à la Suntalma. C'est bon, tout ce garçon, voilà. Suntalma. Il bien joué, le centre. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est Ali. Il pouvait le contrôler le ballon. Il y a eu une mauvaise appréciation, une mauvaise sortie du gardien Koudjo. Apparemment, les Ghanéens cherchent le match nul. Hein. C'est ce qui se décide quand même dans leur jeu. Non, monsieur l'arbitre. Non, je pense pas qu'il y a une faute là. Mais en fait, si on me demande de noter ce monsieur, quelle est la note que vous allez lui proposer, l'arbitre libérien? Parce que là, franchement, je ne suis pas satisfait de cette prise de décision. Et des fois... Il y a eu quand même un pied qui a gêné. Et il y en a un qui temporise. Attention à ce faux rythme. Il y a Mohamed, qui se joue avec... Boncano, il ne prend pas de risque. Il se dégage. Il y en a qui se dégage. Également. Voilà, Adraman qui demande à ses garçons. Pour accélérer, ça reste une minute dans le temps réglementaire. Boncano. Les jeux combinés. Super ici. On essaie de repartir par la base arrière. Jibrila. Jibrila,
ça là, ne marche pas, ça ne marche ça pas. Ça peut aller passer là. Heureusement qu'il a très bien lu et très bien vu la trajectoire de la balle là, ce défenseur ghanéen, hein. Mohamed. Et là vous attendez le public à qui pousse. Les cadets, voilà Bio. Allez, le but. Et là, le son sera laissé à Sidibé pour ce corner. Les grains sont montés, mal tirés. Attention, ça peut aller vite. Hein, ça peut aller vite. Là, le traditionnel. Attention, ça peut aller vite. Heureusement. Heureusement. Bien joué, maman. Là, le crochet, là, c'est bien parfait. Bien joué. Oh, manque d'expérience. Attention, faut retourner. Ah, le contrôle de trop, ça sent la fatigue maintenant. C'est ghanéen. 3 minutes de traditionnel à Simi. 3 minutes pour emporter. 3 minutes pour avoir les deux points. Et le Ghana. Est-ce qu'on peut le dire, c'est une belle opération pour cette équipe ghanéenne qui joue son premier match dans ce tournoi. En tout cas, quand on ne perd pas un match, c'est toujours une bonne opération. Mais l'un dans l'autre, il faut dire que ce n'est pas l'équipe ghanéenne attendue. Parce que l'équipe de 2017 a quelque chose Ali, de plus consistant. Certains vont l'oublier maintenant sur cette action. La passe à pour qu'il puisse libérer. Il va sans doute éliminer son vis-à-vis. Donc il se rabat sur le 200 numéro 17 nigérien. On va le contrer. Bon canon. Et voilà, c'est Sidi Bersman voilà. Qui est élu meilleur joueur de cette rencontre. La Mohamed Sherif, contrôle parfait. Très beau geste technique pour ce garçon. Sidi B. Le centre ici. Oh, il n'y a personne. Attention, retournez. Attention à ce contre ghanéen. Attention, c'est du 4-5 contre 4. Attention. On va bien les jouer là, ici. Attention. Heureusement, il y a la tour de contrôle, Mossi. Voilà, Abdoulaye. Bien joué, Mossi. Qui va essayer de repartir. On va l'appel de Ali ici. Voilà, qui va bien jouer. Qu'est-ce la solution, Sidi B? C'était pas la Sidi B la solution. Mais qui arrive quand même à contrôler le ballon de ce garçon. Sidi B. Voilà, il s'appuie sur. Cherchez la surface, il est là. Antarou. Oh, c'est mal joué. Mal joué, Antarou. Mal joué, Antarou. Pas sorti, attention. Il va pas se laisser faire, ça c'est sûr. Voilà, il gagne son duel et le dégagement. Il faut faire sortir la balle de là. Le ballon qui a suivi Ghanéen. Heureusement, le retour de Mamadou. De Mamadou. Voilà, les Nigériens. Eh oui, ça sent la fatigue. Deux joueurs. Justement, deux joueurs nigériens qui. Ah oui, le numéro 20, je peux comprendre. Et Sherif. Abdoulaye est Fegan parce qu'elle a tout donné. Mais Sherif qui vient de rentrer. Voilà, ils reçoivent les soins du staff médical. Voilà, les signes de se lever, Sherif, allez, lève-toi. Alors, Pascal Gauthier, et je le disais là, c'est une bonne opération à défaut de gagner, il ne faut pas perdre. Parce qu'on prend les deux premiers de chaque poule pour jouer la demi-finale, puis la finale. Alors, le Niger avec ce match nul, si ça se termine ainsi, et donc va certainement se qualifier parce que ça va chauffer, tout va se jouer entre le Togo et le Ghana pour chercher la première place. Et justement, tout va se jouer entre ces deux pays, le Togo et le Ghana, nos voisins. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Deux points pour cette équipe du Niger. Le Togo qui a un point et le Ghana qui se retrouve également à un point. Le Ghana qui va jouer son deuxième match dans cette poule A face au Togo. Et là, demain, le Nigeria
qui jouera face à la Côte d'Ivoire pour sa première sortie dans cette compétition. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue des 90 minutes de cette belle partie qui s'est jouée à la deuxième période, Asmi? On peut résumer à une première période dominée par le Ghana qui s'est procuré les meilleures occasions du match, dont un penalty manqué. Et donc la deuxième période est dominée par l'équipe du Niger. Malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse des jeunes nigériens et ils pouvaient gagner ce match. Mais on l'a dit aussi, c'est les erreurs de jeunesse, c'est le manque de compétition. Mais l'un dans l'autre, un match nul, je pense que ça arrange le Niger. Et le Niger est dans de bonnes dispositions pour se qualifier pour les demi-finales. Mais il faut attendre quand même la fin donc, des matchs. C'est le pénalty marqué par le Ghana. On va voir les actions. Le prix va être là, la mauvaise appréciation du portier ghanéen. Là c'est Mohamed. Il est mine. Vous aviez, tu vois, ça fera pas. Voilà le berger de la rencontre, du match, comme on l'appelle. Man of the match. Hey, man of the match, voilà. Sidibé, qui va recevoir, j'allais dire, demain, du président de la Fédération nigérienne de football. Certainement, voilà. Des conseils, courage à toi, garçon. Tu as de l'avenir. Sidibé Sultanma, qui est sociétaire de l'étoile sportive de Sousse, dans la réserve pro, je rappelle. Voilà, félicitations. C'est aussi la première fois qu'un jeune nigérien reçoit ce trophée au cours de ce tournoi. Bravo. Et voilà, il soulève son trophée. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Voilà, Asmi, chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir resté à notre compagnie. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces 90 minutes. On se retrouve demain pour le match. Le match entre le Nigeria et le Nigeria. Voilà, au revoir à vous. Bye bye.